Eh bien, que voulez-vous ? Pourquoi avoir fait ça ? Vous l'avez trucidé ? De quoi est-ce que vous m'accusez, au juste, Grippe-Mino ? Vous étiez en train de faire les poches de la victime. Et alors ? Un mort n'a plus besoin de ses effets personnels. Je pourrais vous traîner jusqu'à Ratay et laisser le bailli décider de votre sort. Je sais ce qui s'est passé, et je ne laisserai pas des criminels battre la campagne. Ah oui. Si vous m'accusez d'un crime que je n'ai pas commis, c'est toute la province qui en entendra parler. Vous êtes le meurtrier. Vous ne pouvez pas porter de fausses accusations aussi facilement contre des honnêtes gens. Je pars au village porter plainte. Vous allez voir ce que vous allez voir. Adieu. C'est quoi ça ? Le seigneur Divich m'a confié un document pour vous. Cela concerne la rénovation de Pribislavis. C'est le village d'où vous avez chassé les bandits ? C'est bien lui. Alors, c'est donc vrai. Bien. Bien, faites-moi voir ce document. Le voici. Qu'avons-nous là ? Il est dit que je dois annoncer que ceux qui le souhaitent peuvent s'installer à Pribislavis pour y vivre et y travailler. Et les seigneurs Radzig et Anouche donnent aussi leur approbation. Dans ce cas, ne perdons pas de temps. Suivez-moi. J'ai des concombres, de magnifiques concombres. Des asperges, j'ai des prunes. Dieu te protège. J'ai des asperges à vous faire tomber et des concombres pour soigner tous vos maux. Venez vous en procurer. En ce jour de grâce, il est annoncé, au nom des seigneurs Anouche et Divich, que vous, citoyens de Ratay, ainsi que ceux qui ont trouvé temporairement refuge ici, êtes autorisés à vous installer dans le hameau de Pribislavis, au nord du château de Talmberg. Qu'une nouvelle vie et une nouvelle habitation vous seront octroyées, à condition que vous contribuiez activement au renouveau du hameau. Tous ceux qui accepteront cette offre se verront exemptés d'impôts pour une période de 5 ans. Ils seront autorisés à utiliser le bois des forêts environnantes ainsi que l'eau des ruisseaux. Le hameau de Pribislavis se trouve sur le domaine du seigneur Divich de Talmberg. Tous ceux qui s'y installeront seront sous son autorité. De plus, il est décrété que Henri de Scalis est nommé administrateur de Pribislavis, et à cet égard, au bureau du bailli, dont la position et les privilèges ont été conférés par le seigneur Divich en récompense de services rendus et d'une inébranlable loyauté. Je recommanderais donc que nos amis de Scalis
Considère cette offre très sérieusement, car rien de mieux ne vous sera proposé dans un avenir proche. Comment ça va, Henri ? Allons. C'est un honneur qu'un chevalier de votre valeur s'intéresse à moi. Maître Bailly, il ne se passe rien de particulier par ici ? Rien qui mérite d'être signalé, Dieu merci. Et comment on va faire ? Prenez soin de vous. Vivre debout. Je crois que ça va me plaire. On a les genoux qui tremblent. Je vais te massacrer. Ça te suffit ? Viens par ici, pleut. Par les os du Christ ! Amène-toi. C'est raté. T'appelles ça un combat ? Tu vas le payer cher.